veux dire, chaque fois qu'on rencontre un étranger et qu'on dit « Oh, ben, c'est rien qu'un semblable », mais c'est un semblable un peu moins bien que l'original, hein, quand même. Hein. Bah oui, puisqu'on est obligé de lui apprendre. Hein, donc, il est un peu moins bien, quoi. Ouais, je m'intéresse à toi, qui est un sous-alimenté culturel, en étant obligé de t'alimenter, donc... C'est que de la fatigue. De m'occuper de toi, c'est que de la fatigue. C'est jamais de l'enrichissement, quoi. Je m'appauvris chaque fois que je m'occupe de toi, quoi. Et ça, je disais, faites gaffe, il va se passer des problèmes, là. C'est pas comme ça qu'on fait. Parce que les gens, ils aiment pas être les agents de l'appauvrissement, quoi. Et c'est en ça que je dis que la France est catholique. C'est-à-dire, le discours que je tiens est un discours universel. Il est valable pour tout le monde, même ceux qui n'y croient pas. Cette notion d'étranger, c'est-à-dire, au fond... Cette position, qui est la position catholique, je la récuse totalement. C'est-à-dire, je te reçois parce que tu es mon semblable. C'est celle dont il faut se déprendre, cette position. Puisque je te reçois parce que tu es mon semblable, ça signifie qu'en vérité, tu n'es pas tout à fait mon semblable et je vais te rendre mon semblable, quoi. Et en tout cas, je te perçois uniquement à partir de ce que je sais déjà... Que je sais déjà, j'apprends rien en te recevant, quoi. Cette position, c'est la position dont il faut se déprendre. Donc il faut apprendre à penser l'étranger dans son étrangeté.